La délégation de l'Union européenne en Guinée a clôturé la deuxième édition du concours de plaidoirie à Conakry. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme lancée l'année dernière en Guinée. Elle vise à commémorer les droits de l'homme entre le 20 novembre et le 10 décembre de chaque année à travers diverses activités dans ce concours. Ce concours s'adresse aux jeunes étudiantes et étudiants, en particulier celles et ceux issus de facultés de droit. Lancé l'année dernière avec 5 universités publiques et privées, cette compétition est devenue l'événement phare de la quinzaine des droits humains. Elle a rassemblé cette année des étudiantes et étudiants venus des 9 universités publiques et privées de Guinée. Les participants ont planché cette année sur le thème du droit au travail mentionné à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous célébrons le 75e anniversaire cette année. C'était dimanche passé qu'on a eu l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, donc 75e anniversaire. Après une première sélection devant un jury, 5 finalistes sont encore en compétition. Depuis le 4 décembre dernier, leurs plaidoiries sont accessibles au grand public sur la page Facebook de la délégation de l'Union européenne. À l'issue de belles prestations des 5 finalistes, le jury chargé de les départager a retenu 3 lauréats, dont 2 filles. C'est un sentiment de satisfaction, de joie. Voilà pourquoi je remercie déjà l'Union européenne qui a eu cette initiative d'organiser ce concours auquel j'ai participé et que j'ai gagné. Un sentiment de remerciement à l'égard de mes parents qui m'ont soutenu tout au long de ma vie. C'est-à-dire que c'est une longue histoire, mais mes parents, c'est une vie pour moi. Mais enfin, je veux dire merci à mon administration. En plus des récompenses offertes aux lauréats, ils auront l'opportunité de faire des stages d'alternance auprès des ONG de défense des droits de l'homme partenaires de l'UE. À travers ce concours, l'Union européenne exploite cette nouvelle approche pour faire la promotion des droits de l'homme. Pour moi, c'est une activité spécifique qui entre plutôt dans la promotion de ces déclarations que nous voulons que toute couche de la population puisse être informée du contenu. Et cette approche est mieux appropriée pour faciliter aux jeunes étudiants de connaître mieux le contenu de cette déclaration, dont cette compétition a été tournée autour du droit au travail. L'Union européenne a mis cette cérémonie à profit pour signer 2 engagements avec Avocats sans frontières et la société civile guinéenne pour des actions en soutien aux droits de l'homme en Guinée. Ces 2 projets seront mis en œuvre à partir de 2024.